Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Vous avez voté sur mon site pour choisir le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et vous avez choisi l'un des pères fondateurs de l'économie, Adam Smith. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Adam Smith est né le 5 juin 1723 en Écosse, ou plutôt en Angleterre du Nord, comme ce Britannique convaincu le disait. Il n'a pas connu son père, mort 2 mois avant sa naissance, et est donc élevé par sa mère qui a 17 ans. Il est laid, il est bègue. « Rien d'autre n'est beau en moi que mes livres », dira-t-il. Très bon élève, il va étudier à Glasgow, puis à Oxford, qu'il n'aime pas. Il y a plusieurs années qu'à l'université d'Oxford, la plus grande partie des professeurs publics ont abandonné totalement jusqu'à l'apparence même d'enseigner, écrira-t-il dans La richesse des nations. Il devient enseignant de logique puis de philosophie morale à l'université de Glasgow. En 1759, il publie « Théorie des sentiments moraux », un livre philosophique qui lui assure une renommée européenne. David Hume le présente à un homme politique influent qui sera chancelier de l'échiquier, l'équivalent de notre ministre des Finances, Charles Toschen. Celui-ci le nomme précepteur d'un de ses beaux-fils et l'envoie en France. Smith y découvre les physiocrates et plus particulièrement Quesnay. Il fréquente également Turgot et D'Alembert. Il regagne l'Écosse en 1776 et rédige le livre qui lui assurera la postérité, « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Il le publie en 1776. Excentrique, il va refuser les honneurs et choisit de finir douanier écossais comme son père. Adam Smith est dans la continuité du mouvement français des physiocrates, qu'il dépasse, car sa pensée n'est pas seulement scientifique, elle est aussi philosophique. La liberté, le libéralisme, est nécessaire non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan moral. Chaque individu, en exprimant sa volonté individuelle, va contribuer au bien-être général. C'est la théorie de la main invisible. Selon cette théorie, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du boulanger ou du caviste que nous attendons notre repas, mais bien de leur égoïsme. Ce qui les intéresse, c'est le moment où nous allons passer à la caisse. Mon boulanger fera le meilleur pain possible non pas parce qu'il m'aime, mais parce qu'il veut me le vendre. C'est parce qu'il poursuit son intérêt égoïste qu'il va s'intéresser à mes besoins et au rapport qualité-prix de ses produits. Il en va de même pour tous les chefs d'entreprise d'un pays. Chacun va essayer de maximiser le rapport qualité-prix de ses produits pour augmenter son chiffre d'affaires et ses marges. Aucun chef d'entreprise ne va penser à la richesse du pays. Pourtant, en recherchant son intérêt, le chef d'entreprise va augmenter la richesse de son pays. Il est donc conduit par une main invisible à accomplir une fin qui n'entre pas dans ses intentions. Le chef d'entreprise, en recherchant son intérêt personnel, concourt au bien commun. Naturellement, on trouvera toujours des patrons voyous, comme il y a des salariés, des oisifs et des politiques voyous. Mais dans cette théorie, ils sont marginaux. L'intérêt est un régulateur efficace des relations économiques et sociales. Second point essentiel de la pensée de Smith, la division du travail. Dans le premier chapitre de La richesse des nations, Smith parle d'une fabrique d'épingles et de sa productivité exceptionnelle liée à la division du travail. Chacun des 10 ouvriers y est spécialisé dans un geste très simple, ce qui permet à l'ensemble du groupe de produire 48 000 épingles par jour, alors qu'il serait difficile à un ouvrier seul d'en produire 20. La spécialisation est donc un point central de la productivité et de la richesse. Conclusion logique des 2 premiers points, Adam Smith est libre-échangiste. Mon boulanger fera le meilleur pain possible s'il est mis en concurrence. S'il est le seul à fabriquer du pain, son prix et sa qualité risquent de s'en ressentir puisqu'il est assuré de me vendre son produit. L'État a donc intérêt à stimuler le plus possible la concurrence, ce qui aboutit au libre-échange. De même, la spécialisation étant un point central de la création de richesses, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans un domaine de production dans lequel il a un avantage absolu. Quatrième point, Adam Smith met en avant la valeur du travail. Pour lui, le prix reflète la quantité de travail. Idée que l'on retrouvera également chez Ricardo et chez Marx. Idée qui vient conforter les physiocrates. L'outil monétaire ne favorise pas la croissance, il favorise l'inflation. Si le prix dépend de la quantité de travail, modifier la quantité de monnaie ne fait que créer de l'inflation. Cinquième et dernier point, Adam Smith a une réflexion très aboutie sur le rôle de l'État.
Celui-ci doit veiller à ce que sa fonction publique ne soit pas corrompue, à ce que la paix règne à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, et à ce que l'impôt soit le plus faible possible. Que pensez-vous de ces 5 points ? La main invisible vous semble-t-elle crédible ? La division du travail est-elle une bonne chose ? Faut-il être libre-échangiste ou protectionniste ? Le travail est-il la valeur centrale de l'économie ? L'État doit-il avoir un rôle réduit à ses fonctions de police et de justice et se contenter de l'impôt le plus faible possible ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous propose aussi de venir choisir le sujet de ma prochaine vidéo en votant sur mon site dromaieconomie.com. Le lien pour voter est dans le descriptif et à la fin de cette vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous. Vous pouvez aussi me suivre sur dromaieconomie.com, sur Twitter et sur Facebook.